Du coup, moi, c'est Alice, j'ai 26 ans et je suis cofondatrice du média Petite Mue, qui sensibilise au handicap invisible, puisque je suis touchée aujourd'hui par la sclérose en plaques. Et moi, c'est Anaëlle, donc je suis l'autre fondatrice de Petite Mue et je m'occupe de tout ce qui est graphisme, production, montage vidéo et bande dessinée. Vous avez un parcours assez intéressant. Du coup, comment c'est venu l'idée de créer ce média? Alors l'idée c'est venu, donc moi on m'a annoncé il y a un an et demi la sclérose en plaques. J'étais d'abord dans une phase plus de déni. C'était pas pour moi, je me suis pas forcément rendu compte de la gravité et ce que ça allait impliquer en tout cas dans mon quotidien. Et 4 mois après, j'ai eu un peu forcément le coup de mou parce que j'avais beaucoup de fatigue chronique et je me suis rendu compte qu'il fallait un peu faire le deuil de sa santé antérieure, on va dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais m'informer sur les réseaux sociaux, sur le handicap invisible, puis j'en entendais de plus en plus parler. Et je me suis dit, c'est fou que rien n'existe aujourd'hui sur les médias, en tout cas, qui sensibilisent. Il y a des médias sur le handicap, mais pas sur le handicap invisible. Et pourquoi pas en créer un? Et donc là, j'ai tout de suite pensé à Anaëlle, qui a toujours rêvé de faire de la BD. Et qui dessinait hyper bien. Donc du coup, je lui ai dit, si tu veux, on peut lancer un média avec, en plus des vidéos podcast, avoir des petits BD pour que ce soit ludique. Et là, je lui ai fait la proposition. Puis ouais, ça m'a permis en plus de relancer ce projet que j'avais enterré depuis très longtemps. Je pense que quand on a reparlé, j'avais pas touché un crayon depuis peut-être 5 ans. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué de s'y croire, de s'y remettre. Et en final, c'est venu assez naturellement, les idées, on se complète assez bien. Et puis, je suis aussi un peu touchée par le sujet, donc c'est vrai que sur ça, on savait qu'on allait se comprendre et bien se compléter, que ce soit au niveau de nos personnalités ou au niveau de nos compétences. Alors, moi, ce que j'adore, c'est les coulisses. Votre première interview, comment ça s'est passé et comment vous choisissez les personnalités, quoi, les personnes? Du coup, la première interview, c'était Mathieu Thomas, qui était joueur paralympique de badminton. Et on avait créé, donc ça faisait quoi, 2 jours qu'on avait créé le média. Et il nous a tout de suite envoyé il nous a répondu en commentaire. Et là, je me dis, je vais le contacter, ce sera peut-être notre première interview. Et on a vachement échangé parce qu'il sensibilise, il se bat un peu tous les jours en fait pour sensibiliser autour du handicap invisible. Et en fait, même, il nous a donné un peu une motivation de dire « Ah, c'est trop cool, ça fait des années que j'essaie de sensibiliser, qu'il y ait des nouveaux projets comme ça. » Et du coup, la première interview, ça c'est plutôt... On était un peu stressés au début. Ouais, moi, j'étais très, très stressée, j'ai beaucoup de mal. Parce que forcément, ça faisait qu'une semaine et du coup, on avait l'impression d'être novices même sur ce sujet-là. On ne connaissait pas vraiment. On connaissait par nos propres expériences. Et à force de faire des interviews, on apprend, en fait, je pense qu'en là, maintenant, presque un an... On apprend tous les jours, vu qu'on a fait déjà 40 interviews. Ouais. Et du coup, en fait, c'est en discutant avec les gens, en faisant des interviews, qu'on devient un peu expert sur le handicap invisible, quoi. Puis ça devient plus naturel aussi. Au final, maintenant, il y a même plus... On n'a pas vraiment de questions prédéfinies. Ça va selon la personne. Ça va être un dialogue un peu comme là. Ça va être une discussion. Et selon les sujets... Après, on aborde quand même à peu près les mêmes sujets. Mais il y en a qui vont plus rentrer dans le détail par rapport au travail, par rapport aux études, par rapport à leurs projets ou à leurs ressentis. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Et on rencontre vraiment des profils hyper intéressants et hyper variés. Et on en apprend tous les jours. Ouais. Et il y a... Je rajoute juste pour les interviews aujourd'hui. Alors, des fois, on va contacter... moi, sur Instagram, quand je suis tombée sur des profils qui sensibilisent, en fait, sur certaines maladies, je les contacte. Et après, toute personne qui nous envoie un message pour être interviewée, on accepte. Donc, soit on leur dit par en physique, s'ils ne peuvent pas se déplacer en podcast, et sinon, s'ils veulent être anonymes en petite BD. Donc, en tout cas, pour l'instant, on refuse personne. Donc, je ne dis pas que, du coup, les interviews, maintenant, sont dans 2-3 mois. Mais on a fait le choix d'accepter toute personne qui nous contactait, quoi. Ouais, c'est top. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous avez appris à travers eux? Est-ce que ça... j'imagine que vous avez appris beaucoup de choses, mais est-ce que ça vous a donné encore plus de motivation pour aller encore plus loin? Personnellement, je trouve que déjà, on a l'impression de se rendre utile. Parce que la plupart des... Même pour nous, on a l'impression que ce média, il fait un peu thérapie. Parce qu'évidemment, dans les interviews...
on met pas tout. C'est pas possible parce que des fois on a des interviews qu'on a tournées pendant 2 heures, donc c'est pas possible. Mais en final, même les gens nous disent oui, ça fait du bien, on discute. Et puis, comme même si on n'est pas touché par les mêmes maladies ou les mêmes handicaps, on va quand même être touché par le sujet et donc on se comprend. Il y a quand même beaucoup de points, que ce soit sur le regard des autres, sur la légitimité, sur oui, la culpabilité, l'acceptation. Il y a plein de choses qu'en fait, qui sont communes à tous les handicaps et à toutes les maladies, d'ailleurs qu'ils soient visibles ou invisibles. Et du coup, c'est vraiment une richesse à chaque fois que le média apporte, je trouve, enfin personnellement. Puis même chaque personne va nous apprendre quelque chose à chaque fois. Enfin, chaque interview est vraiment différente. Et il y en a plein, plein de personnes avec qui on est resté en contact. On se parle une fois par semaine, on se prend des nouvelles. Enfin, comme si on avait créé un peu une communauté. Et une fois, on a organisé un pique-nique, on s'est rencontrés, donc on était une bonne quinzaine. Et l'objectif, c'est un peu de rompre, parce que c'est vrai que c'est un peu une réalité sociale aussi, le handicap invisible, c'est de rompre un peu la solitude. Parce que c'est pas évident d'aller au travail, de sortir comme n'importe qui. Donc du coup, on se retrouve plus vite seul. Et de discuter avec aussi plein de parcours hyper intéressants et positifs, ça donne beaucoup d'espoir. Donc en fait, ouais, tout le monde nous a apporté quelque chose. Enfin, ça se passe toujours bien en plus, donc c'est cool. Voilà. Pour vous, c'est quoi, alors, j'aimerais bien, c'est intéressant de poser cette question. Pour vous, c'est quoi la définition d'un média? C'est quoi le rôle d'un média? Déjà, c'est d'informer. Alors, ça peut être informer, mais nous, je trouve qu'il y a le truc en plus qui est de sensibiliser. Puis éduquer aussi un peu. Éduquer. Parce que c'est vrai qu'il y a les médias plus d'informations qui vont donner voilà, des faits, des cas concrets. Et nous, on est plus dans un média de témoignage plutôt que pour que les gens puissent se retrouver dans un témoignage. Et aussi pour que ceux qui ne sont pas concernés prennent conscience de ce que vivent les autres. Donc, c'est ça, ouais. En fait, c'est à la fois sensibiliser et éduquer ceux qui connaissent pas le sujet. Pour que ce soit plus un sujet tabou, quoi. Et puis aussi, enfin, pas distraire, mais on a des petites BD, on met de l'humour dedans, c'est aussi, voilà, donner du coup. J'ai trop d'humour aussi. T'as trop d'humour. D'ailleurs, vous avez une ligne de vêtements, là, j'ai vu. Ouais. Alors, on a des pulls, des bobs et des t-shirts. Des bonnets. Et des bonnets. Et l'objectif, alors c'était surtout, on avait fait 2 campagnes, une l'été avec les bobs et t-shirts et une l'hiver. Naël a mis les petits personnages de BD pour les pulls de Noël qu'on offrait et les personnes repartaient avec une BD. Ce qui permettait à Noël, au moment qu'ils aient le cadeau, qu'il y a toujours du monde autour, de sensibiliser aussi l'entourage. Et il nous reste d'ailleurs des pulls, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. J'en ai plein de pulls encore. Alors les filles, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur rêve? Tu veux que je commence? Moi je dirais, c'est un peu bateau, mais c'est d'y croire en fait. C'est que je pense que même quand on est au fond du trou et que ça va pas, je pense que je suis bien placée pour dire ça d'ailleurs, c'est toujours se dire qu'on sait pas de quoi sera fait demain. Et c'est pas parce que là, on a l'impression qu'on est capable de rien, qu'on n'y arrivera jamais, que ça marchera pas. Ce que je dis à Alice tous les 2 jours concernant le média. Et faut être optimiste. C'est ça, faut. C'est pas. Aujourd'hui, tout va très bien. Là, on rencontre des gens et il y a toujours du positif, même dans le moment le plus obscur qu'on vit. Quoi. Et je pense que le message que j'aurais à dire, c'est vraiment de se faire confiance. Et qu'on est, je pense, tous capables de faire les projets qu'on veut. Des fois, il faut des déclics. Enfin, moi, je l'ai eu avec la maladie, mais en fait, j'aurais pu très bien le faire avant, mais je ne me suis jamais dit que j'en étais capable. Et que, en fait, c'est une question de motivation et de se dire... si plein de gens sont capables de faire des choses, pourquoi pas nous? Enfin, les gens sont... On est tous égaux. C'est se faire confiance et accepter aussi d'avoir des échecs. C'est ça, parce qu'en final, avoir un échec, c'est pas dramatique. Non, c'est pas grave. Au moins, on apprend forcément quelque chose. C'est ce qu'on s'est dit avec nous, au final. On s'est dit, peut-être que ça marchera pas, mais peut-être que ça marchera. Et dans les 2 cas, on aura appris quelque chose. Et ça nous aura apporté quelque chose. Quels sont vos prochains projets? Est-ce que vous avez des projets que vous voulez mettre en place?
Bah déjà créer l'entreprise pour petite mou. Ouais. Créer, parce que là on va devenir une association. Génial. Et nos prochains projets, c'est vraiment d'intervenir. Donc on aura toujours ce média-là, ces témoignages, mais de sensibiliser dans les entreprises. Donc ça, c'est un gros truc à préparer avec des ateliers, des conférences, de la communication autour de BD, d'affiches. On a aussi, on rentre dans un incubateur là. Au niveau du média, on voudrait développer la partie podcast, que ce soit vraiment sur une plateforme de podcast. Et puis on aimerait bien faire une newsletter aussi, dans quelques mois, sur Ok. le handicap invisible. Et peut-être dans le futur, une bande dessinée. Une bande dessinée. Ah oui. Et je motive Anaëlle Dans pour longtemps. écrire, parce qu'il n'y a pas de bande dessinée non plus qui parle de handicap invisible. Et je suis persuadée qu'en faire une petite BD, en plus maintenant qu'on a quand même notre univers, on a nos personnages, les gens ont l'habitude de le voir, bah, je trouve ça cool d'avoir un peu le format papier et pas que réseaux sociaux, parce que ça toucherait aussi Ouais. d'autres personnes, parce que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Et ouais, ça c'est, je pense que c'est un projet qui se fera. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Quand on aura le temps. Alors une question à vous poser toutes les deux, évidemment. Que direz-vous à la personne, à vous-même, quand vous aviez 10 ans? Si vous l'avez en face de vous, que lui direz-vous? T'es pas prêt. Ah, c'est compliqué. Bah que tout va, moi je dirais que tout va bien se passer, qu'il va y avoir des étapes compliquées, mais qu'on s'en sort toujours. Enfin, du moins qu'on essaiera toujours, parce que je pense qu'on est, l'humain est capable de surmonter beaucoup de choses dont on n'est pas conscient en fait. Moi, enfin, Je dirais bonne chance. je dirais bonne chance. Non, je dirais que oui, c'est sûr, ça va pas être simple. Et ça va pas être drôle tous les jours, mais qu'on va y arriver. On va s'en sortir. Et puis plein de messages positifs aussi, parce qu'il y a, enfin c'est important, hein. Il y a toujours les moments compliqués, mais on a aussi plein de choses positives, plein de choses à vivre. Là, depuis qu'on a 10 ans, t'imagines tout ce qui s'est passé dans nos vies. Donc, On a eu 1 000 vies déjà. qu'on va pas s'ennuyer, je dirais. Ouais, c'est ça, on va pas s'ennuyer. On va pas Yes. s'ennuyer. Et puis que des belles rencontres qui vous attendent Et encore. que des belles rencontres, et encore Ça, c'est plein. énorme. Alors, ma dernière question, c'est, elle n'est pas facile aussi celle-ci. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ouais, ce serait vrai toutes les personnes qu'on a interviewées, qui nous suivent et enfin, qui écoutent les personnes qui veulent témoigner, parce que c'est ça en fait, c'est grâce à toutes ces personnes qu'on avance et qu'on se rend compte qu'on sert à quelque chose, qu'on est utile à d'autres, puisque même si des personnes ne témoignent pas, ils se retrouvent dans les témoignages des autres et se sentent moins seuls, comme tu disais tout à l'heure sur l'isolement. Il y en a qui envoient certains témoignages pour expliquer mieux à leur famille parce qu'ils n'arrivent pas eux à l'expliquer. Donc au final, on se rend compte que, enfin, c'est grâce à eux qu'on existe et qu'on continue de grandir. De toute façon, sans tous les témoignages, le média, il n'existerait pas. Enfin, c'est ce qui fait tout le média. Donc, il y a des témoignages toujours ultra intéressants et qui c'est grâce et grâce aussi au courage d'aller témoigner qui permet de faire vivre ces médias. Parce qu'on ne peut pas sensibiliser tout seul, donc on sensibilise tous ensemble, quoi. Tout le monde fait un peu partie du média. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Sur tous les réseaux sociaux, donc notamment Instagram. C'est là où on est le plus présent, de plus en plus sur LinkedIn, on est aussi sur TikTok. On était sur Twitter, mais voilà, pour l'instant, on publie beaucoup moins, donc c'est pas ce que je recommanderais le plus. Et puis bientôt, on aura notre site internet, donc ce sera de toute façon petitemu.com quand ça sortira. Bon, génial les filles. Écoutez, l'aventure continue. Et Merci. puis, prochaine destination, il y a une personnalité, une personne en vue. Prochaine interview, c'est C'est tout à l'heure. Tout à Tout à l'heure. l'heure. C'est dans une C'est dans une heure, heure. voilà. Bon, en tout cas, merci à vous les filles. Merci à toi Merci. surtout pour l'interview.